YOLO! Oui, je respecte même pas les temps de fin de mes pauses parce que ben, j'ai envie de jouer. J'adore vous retrouver ici. Non, bon, ben, on va dire présentation usuelle. Ici, y a Kipon pour Ivasan Studio. On va streamer du Hollow Knight parce qu'on n'a toujours pas terminé. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Bonsoir plutôt, vu qu'il est 21h01, heure locale. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que comment vous allez? Tout ça, tout ça. Vu qu'il n'y a pas de réponse, j'imagine que tout va bien. Ah, ça y est, bonsoir. Bon, on avait dit qu'on faisait de l'arène aujourd'hui. On va donc enlever la boussole parce qu'on s'en fiche un tout petit peu pour être gentil. Et on va prendre d'autres choses. On va prendre le truc qui nous avait sauvé la vie. Le truc qui pue là. C'était ça? Non, ça c'était pas ça, c'était un autre. C'est un charme qui permettait. Écu du défenseur peut-être? Cause à son porteur de dégager une odeur héroïque. Oui, c'est ça. Oui, il y a toujours du décalage. Voilà, c'est bien. Comme ça, au moins, on est bien pour faire notre arène tranquille. Allez, on est parti! Aujourd'hui, au programme de l'arène. De l'arène et de l'arène. Parce que je suis désolé, mais je pense que si je n'y arrive pas, ben, je vais vous en faire bouffer un tout petit peu. Voilà. Je vais essayer de faire de mon maximum. Mais je vous promets rien. On va se calmer déjà. Hein? On va se calmer. On va rester tranquille. On attend que le jeu charge. Voilà. Parce qu'il faut qu'il fasse l'instance du défi. Allez, le Colisée des fous niveau 2 activé. On va se remettre gentiment dans le bain parce que je me souviens plus du tout de ce qu'il faut faire. Enfin, ce qu'il faut faire, entre guillemets. Je suis un petit lag là. Ah putain, j'ai des frises. C'est pas grave. Ils sont légers. C'est peut-être de quoi se réhabituer au stream. Ouais, le doubler parce que je suis trop fort. On va soigner là, vite fait. Alors oui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui viennent de voir, j'ai pris le truc qui m'avait sauvé la vie lors d'un boss. Je ne veux pas savoir lequel parce que je ne veux plus en entendre parler. Mais je l'ai pris tout simplement pour être tranquille pour cette arène, vu que je peux enlever la boussole et tranquillement faire ce que j'ai à faire. Voilà. Donc pour la question, mais pourquoi tu as mis ce badge? Ben maintenant vous avez la réponse. J'oublie tout le temps que eux ils foncent d'abord. Deux fois. Oula. Ok. On va essayer de se soigner parce que là ça fait un peu beaucoup. Ouais, surtout qu'il y a ça là. Là, j'oublie toujours qu'elle tire en trois fois. Oh là là. Elle est chiante cette mouche. Elle est chiante. Ah oui, alors là c'est pas bon. On va rester calme. Eh ben non. Bon ben première mort, hein. La mouche relou, la fameuse, hein, c'est insupportable. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, ne commencez pas à râler parce que je suis mauvais. Va falloir vous habituer, c'est que le début. Et ça, c'est que le niveau moyen, hein, donc imaginez le difficile, on va beaucoup s'amuser, je vous le dis. Mais c'est pas grave, on est bien là ensemble. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Répondez-moi, s'il vous plaît, dites quelque chose. Le mec est perdu tout ce genre. Eh, s'il vous plaît, dites-moi quelque chose, mimi. On va dire que celle-là, elle comptait pas, c'était juste pour me remettre dans le gameplay, dans le maniement du jeu, tout ça, tout ça. Ok? Allez, on dit ça. Ah.
Et si je parle plus beaucoup, c'est pas que je vous aime pas, c'est juste que je me concentre. Comme ça, moi, si je réussis, on est bien. Hein. Quelque chose, la fameuse blague pas drôle. Parce qu'il faut dire ce qu'il en est, c'est une blague pas très très drôle. Dites quelque chose, hein. Quelque chose. Comment je trash talk. Orez, bonsoir. Merde, tu m'as fait tomber dans les pics. Franchement, t'as pas honte. Orez, bonjour, vous n'avez pas honte. Bon, ces moustiques commencent à tantiner à me déplaire. Ah merde, je suis foncé dessus, tant pis. Allez, le début du relou attitude. Je ne fais que la... que l'effleurer. Ok, meurs. Non ! Mouche de merde ! Ok, c'est bon. Il y en a une autre, je sais. Oh, cool de l'essence, il m'en manque 70. Oh là 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 là. C'est un peu le bordel, hein, mais bon, c'est pas grave. On va essayer d'en tuer une ou deux. Non, non, faut pas qu'elle reste là. Oh putain. Juste pour se soigner tranquille. Alors, on se soigne, hein, au KLM. On va récupérer des points de vie grâce à notre badge de la ruche de la semaine dernière. Au revoir. Alors... D'accord, j'ai pas tiré vers en bas, tant pis. Là, je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave, on se soigne, tranquille. On se soigne, voilà. Et on recommence. Juste zen. Elle est morte sur l'autre ou... Ah ! Le pauvre, je l'ai martyrisé. Non ! J'ai oublié qu'il y avait ça. Ouais ! Bravo le veau, bravo ! Bon, bref. Oh, c'est vrai que là, on s'amuse pas. On va en profiter pour se soigner un peu. Voilà. Le gros. Goody goody. Allez, maintenant c'est la phase relou. Ok, donc déjà... Merde, mais non, je pensais... Ok, bon. On se soigne vite fait avant que ça soit la merde. Non, c'est pas maintenant? Mais c'est quand alors? C'est un faux! C'est un faux larveau! Merde! Meurs, meurs, meurs! Nullité! N-U-L! Ouais, tout le reste, allez, c'est pas grave. On va essayer de d'abord tuer le volant, qui est un peu plus insupportable que les deux autres. Merde. Paf. Merde, c'est vrai qu'il peut faire 3 coups. Lui. On est bien là. Merde. D'abord le moustique. Quoi? J'ai touché quoi là pour rebondir? Ok. C'est maintenant. C'est le début de la phase relou. Allez, on reste zen, on reste calme. Paf. Ok, c'est maintenant. On reste zen. Aïe.
Ah, j'y arrive pas. Non. Bon, ok. Et maintenant, il y a quoi? Il y en a deux. Ouais, c'est ça. L'amusement est total, là. Oh putain, c'est pas possible. Oh, je suis encore mort là-dessus. Et en plus, les mecs, ils se moquent de moi quand je perds. C'est pas très sympa. Ah, oh, cette phase, elle est relou, elle est relou, elle est relou. Mais bon, je sais à quoi m'attendre maintenant, au moins. C'est la suite à laquelle on ne sait pas s'attendre. Je suis retombé dedans. Vous êtes silencieux. Vous regardez ma démonstration de skill extrême? La fameuse? Ça fait déjà deux fois que j'échecque. Bon, c'est pas grave. On essaie de pas s'énerver. On a vite compris que dans le jeu, fallait... Bon, tu vas me dire, dans presque tous les jeux, faut pas s'énerver, faut juste... Là, malheureusement, le seul truc que j'ai à faire, c'est tryhard et me taire. Oh merde! Qu'est-ce que... Si, je peux sauter là-dessus. Oh là là. Les esquives, les fameuses. Hein. Et merde. Paf! Je voulais juste le volant, fous-moi la paix là, la grosse larve! Oh, je fais n'importe quoi! Je vais en payer le prix fort. De 15,95€. Allez, c'est reparti. Alors là, on se demande tous comment il m'a touché, sans déconner. Je veux bien être sympa, dire que parfois, ben, je fais des grosses erreurs de placement, mais là... J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ah là là, c'est pas possible, j'ai du mal. Hein. Là, j'ai pas pu donner un coup, c'est dommage. Ah là là, bon, c'est pas grave. Ah mais pourquoi il saute là-haut là? Je croyais qu'il était téléguidé, depuis quand il prend des initiatives? La mouche relou, la fameuse. Oh putain, c'est pas possible. Elle est chiante, sans déconner. Ah non, je tombe. Tant pis. Oh là là! Double kill. On s'en fout. Toi, au revoir. Toi, au revoir. Ah putain. Non, 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 non. Oh là là. Ok, tout a été parfaitement maîtrisé. Je me fous pas du tout de votre gueule. Mais je peux rebondir sur les pics, j'avais complètement oublié. Excuse-moi, tu veux pas mourir? Merci. Donc là, on a droit à quoi? Aux oiseaux qui font mui? Non, pas encore. Mouillon! Aïe! Ok. Bonsoir. C'est maintenant. Oui, c'est bien. Oui! Voilà, on attend et oui! Au revoir. Ouais. Ouais. On est reparti. Easy. Alors, maintenant le gros. Ok, cool. En plus, ça compte pour mon fait de... Enfin, mon fait... Pour mon bestiaire. Aïe.
Cool. J'ai pas perdu beaucoup de vie là, j'ai bien géré. Je suis plutôt content. Allez, on repasse au volant, relou, casse-couille, tout ça. Ah non, d'abord la revoit, merde. Aïe. Tout à l'heure, je m'étais pas fait toucher. Alors, d'abord le volant, si possible. Aïe. Ok, volant fait. Ouf. Ok. Ah! J'ai oublié de double sauter. J'ai peur qu'elle remonte aussi. Ah merde! Tant pis. J'ai pas envie de perdre la vie sur des monstres aussi cons en fait. Ça, mon problème, c'est que je veux bien faire et. Je veux pas mourir sur des bêtises. Bam! Ok. C'est parti! Ah, il est mort sur le poison. Ah merde, bon c'est pas grave, il meurt. Ok. Non. Ouais. C'est pas fini. Ah. C'est pas grave, encore des mouches de merde. Bon, c'est pas des vraies mouches, mais... Ouh putain, il est passé près lui. Ok, cool. Même pas d'encouragement, que dalle. Vous m'étonnez. Je vous ai connu beaucoup plus bavard que ça. Bande de vilains. Je viens de me soigner. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, putain de merde. Ça tire forcément en diagonale ou... Ça a l'air. Bon. Déjà, si on analyse le monstre, c'est déjà pas mal. Putain, mais ça a combien de vie, ça? Ah, c'est des nouveaux monstres, on les avait jamais eu avant. Bon, on va prendre notre temps. La régène de mana est plutôt sympa, vu que ça tanque comme des buffs. Merde. Cassez-vous! Poussez-vous! Bon, bah, toi, si tu veux rester là, vas-y. Hein. C'est gratuit. Toi aussi? Ouais. Paf! Pif, pouf! Paf, whiz! Shabam! Reste par là, merci. Ah là là! J'ai glissé, chef. Bon, on en est où là? On fait quoi? Encore des mouches. Mais écoute, je vais même passer le reste de. Le reste du niveau avec des mouches. Sauf si c'est en l'air. Ah, ça risque d'être en l'air. Il risque d'y avoir des phases reloues en l'air. Bip! Vous recevez les encouragements de vos professeurs pour passer en classe de 3ème. Oh merde. C'est quoi ces monstres? Ils font quoi? Ok, ils peuvent être loups. Ils peuvent être loups parce qu'on sait pas trop par quoi ils tirent. On sait pas trop quels orifices vont. C'est des nouveaux monstres. Ah merde, son pote est mort donc il s'énerve, c'est ça? C'est exactement ça. Ah! Note à moi-même, si on retrouve ces monstres, d'abord les affaiblir. Eh hey, mais sans déconner! Il est super énervé! Non, ne me tire pas dessus, s'il te plaît, je t'aime! J'ai menti, mais bon. Il est pas obligé de le savoir. Ok, cool. Waouh! Je m'attendais pas à ça. Et maintenant on a droit à quoi là?
C'est la fin? Dis-moi que c'est... Oui! Oui, les bits, oui, oui, oui! Conquérant. Ah, ça veut dire que j'ai fait la moitié. La moitié, ça veut dire que j'ai réussi mon niveau. Minerai pâle. Oh! Oh! Attends! Attendez! Attendez! S'il vous plaît! Attendez! On s'en fout! On en a combien? Ils sont où? On en a que deux! Il en fallait deux ou trois? Putain, je sais plus. S'il vous plaît! Vous, les gros viewers qui me suivez toutes les semaines, tout ça, lol. Il en faut deux ou il en faut trois? Je sais plus. Parce que si je peux améliorer ma force avant de faire celui-là, je serais plutôt content. Combien ça coûte? 800. Oh, ça va. Merci de vos réponses hâtives. En attendant vos réponses, on va lancer le dernier. Oui. Bon, ça s'est pas trop mal passé. J'ai failli l'aider que deux fois. Bon, la première, c'était pour l'échauffement. La seconde, c'est parce que j'ai été nul sur une mouche. Je sais plus. C'est pas grave. Mais s'il vous plaît, dites-moi si c'est deux ou trois. C'est tout ce que je vous demande, je m'en souviens plus. Je crois que c'est trois qu'il en faut maintenant. Allez, on est reparti. Oula. Je peux les renvoyer? Mais oui! Tous les jours! Ok. Goody, goody. Non! La mouche à merde! Je veux te tuer, la mouche. Ok, c'est bon. On est tranquille. Paf! Ok. Merde. Oh là! Si j'ai le sol et l'aérien, ça risque d'être compliqué. Vite, vite. Ah! Mouche à merde. Mais ils servent à quoi les mobs? Ils vont mourir là. Merde, moi aussi. Putain! À chaque fois que je prends un coup, ils rigolent. Je suis le mal, arrêtez de rire. Putain. La disposition des mouches est pas très cool. Laissez-moi me soigner, laissez-moi me soigner, laissez-moi me soigner, laissez-moi me soigner. Ok, vous êtes sympa. Allez. Ok, bon, c'est pas grave. Ok. Ok. Non, pas eux! Pouf. Ok. Il y en a un autre de l'autre côté? Ouais. Pourquoi lui, il est pas mort comme l'autre? La déception m'habite. Oh merde. C'est quoi? Non! Ah, les salauds! Ah, ils ont fait péter les autres. Bon, c'est pas grave. On les aime. Vite. On se soigne. Il se passe tellement n'importe quoi, je suis étonné. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, on les avait déjà croisés, c'est insupportable. C'est le rebond de l'ennui. Oh, c'est tuable assez vite, on va dire. Oh non, il va y avoir des trucs partout. Ouais, voilà. Aïe, aïe, aïe. Et qui dit mur partout et plateforme partout, dit saut illisible, on va dire. On peut pas lire dans leur déplacement. Ça, c'est chiant. Ça risque d'être long. Aïe. On va soigner. Ok. On avance bien, on avance doucement. Oh là là, mais... Mais comment on sait qu'elle va revenir là? Comment? Moi, je ne sais pas. Oh là là.
Ah, mais y a un message du chat, mais je peux pas trop le lire, là. En fonction de là où tu étais pour up ton aiguillon, première visite, pas de minerai pâle. Ouais, mais je sais plus combien de temps, combien de fois ça fait qu'on... Merde, faut me soigner. Non ! Oh, ok. Oh, non. En forêt, les deux ont pris. Vite, faut se soigner. Non, pas vous! Ok. Il y en a avoir d'autres? Non. C'est elle que je veux. Ok, c'est bon. Ok. Ah là là. Ah merde! Oh non, il me reste un point de vie! Pitié. Pitié. Ok, cool. La pitié peut fonctionner chez certains monstres. Sauf chez cette mouche à merde! Oui, reste là, toi, reste en dessous. Merci, t'es gentil. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, faut les esquiver. Ça va. Pour l'instant. C'est pas grave. Ok, ça c'est géré. Ok, ciao. La suite. On est trop chaud. Non. J'en ai marre de cette mouche de merde. Bon, au moins tu vas me dire un matin. Oh non, pas elle. Comment on les tue déjà? Comment on les tue, putain? Ok. Non, il y en a d'autres, bah oui. Non mais là, c'est la mort. Le donut magique, le fameux. Ah, ça s'est trop vite enchaîné, là. Oh là là, vache, mais c'est super dur. Il y a 6 minerais pâles en tout. Bah, je pense qu'on en a déjà eu 3 et que là, on attend le troisième. Sans déconner, je crois que c'est ça. Alors, si même mon âme se met à me martyriser, maintenant, on est mort. Sans déconner. Ah merde, il faut d'abord s'enregistrer. Wouah, celui-là, il va être super dur. C'est pas ma faute, les mouches, elles sont chiantes. Si tu peux même pas contrer le pattern, en fait. Si encore je pouvais leur envoyer leur tir comme beaucoup de gens. Moi, ça me va. Mais j'ai tapé, sans déconner, monsieur l'arbitre. Bon, là, par contre, je me le bouffe, mais d'une force. Vous savez ce que c'est, les débuts d'un noob? C'est moi. La fin du noob aussi, c'est moi. Je suis le noob sous tous les états. Putain, mais c'est pas possible. Tu vas appuyer vers le haut, connard. Allez, j'ai évidemment... Je lui tire dessus, mais elle a la priorité parce que c'est une mouche de merde. J'ai dit que j'allais me calmer et ça m'énerve encore plus. D'accord. C'est quoi qui m'a touché? C'est le monstre en dessous? Ah, oh, putain. Ils se sont rebondis dessus, donc ça fait... Ah, la mouche à la con, là, putain. C'est vraiment insupportable. Je suis full mana, je peux pas me soigner. Ça, c'est... Ouf, c'est passé. Sinon, vas-y, viens me faire un câlin, j'apprécie. Mais elle aussi, quoi. Mais cassez-vous! Allez, vas-y. Je voulais rester tranquillement ici pour me soigner. Et voilà ce qui m'arrive.
Allez, on est reparti. Là, on a quoi? Ok. Ce qui m'énerve, c'est que je gagne aucun mana là-dessus. Ça, ça m'embête, en vrai. Alors là, j'en gagne du mana. J'en perds aussi parce que je fais le con. Putain, mais... Oh là là, mais sans déconner, mais les trucs que tu peux pas voir parce qu'ils arrivent de l'autre bout de l'écran, sans déconner. C'est chiant, quoi. C'est comme là, tu sais pas ce qui se passe. Tu sais que ça va t'arriver bientôt dans la gueule, mais tu sais pas ce qui se passe. Genre, on saute partout, on saute, on saute. Là, elle va revenir. Comment j'ai tous mes points de vie, là? Enfin, tous, sauf un. L'irréductible point de vie non soignable. Tel les Gaulois... envahis par la pseudo-Rome. Oui, je prends mon temps. Hein. J'ai pas envie de faire des... Je crois qu'il y a vraiment un seuil, en fait, de régène. C'est, il faut que je prenne... Que je perde un point de vie pour qu'il soit ici... Pour qu'il soit régénéré derrière. C'est un peu con, quand même. Je pensais que le badge serait beaucoup plus puissant que ça. Et la preuve qu'il ne l'est pas. Allez. J'en ai vraiment marre, sans déconner. Oh putain, mais je le vois arriver, je bouge pas, tel un con. J'ai pas d'autre mot. Ok, si elle peut mourir vite. Oh, non, non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais arrête quoi. Non, mais putain, mais c'est incroyable cette mouche de merde. Quoi que je fasse, elle saura où me traquer. Une mouche traqueuse, waouh! Une mouche télécommandée. Alors les enfants, vous avez demandé quoi au Père Noël? Une mouche télécommandée! Ça a l'air de faire chier les gens, c'est drôle! Patate! Oh, je l'ai raté. Je l'ai re-raté. Oh putain, elle est morte! Analysons l'effet déviant sur votre organisme. Ouais, ouais. Oh putain. Voilà. Je préfère d'abord gérer le volant si possible. Même si c'est le plus faible. Ah merde, j'ai oublié de taper. Oh. Toi, t'arrives plutôt vite, hein. Les excès de vite. Oh. Ah, les donuts magiques, là. Oh, putain. Ok. Oh là là. Elle va tellement loin. Putain, je pourrais pas. Ok. Vas-y, envoie. On va en profiter pour soigner, parce qu'après, c'est la phase de la merde. J'ai été greedy, j'ai été greedy. Allez, la phase de la mort. Ah, ça me fait chier, cette épée, ça me fait chier. Surtout, tirez pas en même temps. Soyez bien relou, les tirs sont... Il a fait quoi, ce tir, sans déconner?
Il a dit non, je m'en vais. Non, je reviens. C'est bien parce que là, il te file une pseudo-phase où tu es tranquille, mais. Mais tu continues à t'emmerder. Non, il y en a encore. Non. Putain, j'ai failli mourir. Putain. Ah, mais il joue trop bien. Il recule et tout pour pas prendre de coups, c'est chiant. Ah, mais deux, mais non, mais arrête. J'y vois plus rien. Ok, c'est bon. Non, je peux pas me soigner. Si, tu me laisses faire. Oh, t'es sympa. Méduse de merde. Tiens. Bon, déjà, je me sens mieux parce que j'ai plus de points de vie que tout à l'heure. Oh là là. Oui, oui, reste contre le mur. Ça me va. Non ! Oh là là ! Bon, c'est pas grave. On joue calme, on joue calme. Tiens. Ok. C'est lui là que je veux taper en premier ! Non, je suis tombé ! Oh dommage ! Moi j'ai failli tellement gérer mon placement. 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 Tiens, tiens. Tiens, oh. Tiens. C'est fini. Non. Oh non. Oh non, pas cool ça. Vite. Faut le martyriser, faut le martyriser. Ok. Ah, dommage. Oh oui. Oui, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. C'est pas la fin du tout. Oh putain. Non. Non, 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 non. Mais putain, mais meurs. Ah, mais j'ai des frises de fou. Je sais pas si vous les avez vous aussi sur l'écran, mais... Qu'est-ce que c'est que cette... Oh non, pas cette... Bon, je suis mort. Voilà. Les frises commencent sans déconner à me pomper l'air. Je suis mort juste sur ça, sur des frises. Mais y a pas d'app qui tourne, ça qui m'emmerde. On reviendra plus tard. Chrome. Je gérerai ça à la pub. On va reprendre notre âme. Ah, je suis deg, on avait passé les mages avec pseudo-tranquillité. Non, c'est pas ça. Allô? Ouais. La 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 la. On va faire un peu de cartographie, voir où c'est qu'il y a des endroits. Mais ça, on l'avait fait un peu la semaine dernière, un peu. Voir carrément. Genre, voir où c'est qu'on peut aller. Je sais pas ce qu'il y a là, en bas, là. Ça serait peut-être l'heure de savoir ce qu'il y a là, en bas. Il y a peut-être rien. Hein. Là aussi, on peut pas passer parce qu'il y a le truc noir. Le truc noir aussi, c'est quand on veut qu'on trouve l'endroit. Ça pourrait être sympa. De savoir où c'est. La passe du roi, non, il y a encore le mont cristal. Maintenant que j'ai le double saut, ça serait... Oh, je sais pas. Non, je crois que je peux toujours pas... Je crois que je ne peux toujours pas monter là-haut, au mont cristal, à moins qu'il faut que j'aille à la couronne et... Non, ça m'étonnerait, sans déconner. Bon. On va commencer par l'enceinte du palais. On reviendra plus tard, c'est pas très grave. Au pire, on fera du montage, on va continuer peut-être après minuit, enfin on verra. On va pas se prendre la tête. Hop. On ne va pas se prendre la tête. Où c'est qu'on voulait aller déjà ?
La station cachée, non? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, oui. Ouais. Donc on va aller voir. Je crois qu'on y est déjà allé, mais qu'on a... une porte, un truc, je sais pas. Il y a toujours ça, là, que je peux toujours pas... Ça aussi, je suis sûr que c'est débloquable, mais après. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Je ne sais plus du tout. Ah, la marque du machin blanc là. Maintenant on peut l'ouvrir. J'ai bien fait de venir ici. Allez, nouvelle zone. Très silencieuse. On sait pas où on va. Non, ça va, c'est pas flippant, c'est pas creepy. Je sais pas où on va, sans déconner. Là, c'est pour remonter, j'imagine, ou il y a vraiment des trucs particuliers. Non, je pense qu'il faut continuer à descendre. Doucement, mais sûrement. Pour essayer de rien oublier. Merci. Je suis con. Okay. Ouais, on va voir là-bas. Non, y a rien. C'est flippant. Je pense pas que j'aurais dû faire ça, mais bon, tant pis. Surtout s'il y a un larvomère caché dans un recoin comme ça. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Il n'y a pas l'air de... De toute façon, je pense que vu la présence de non-bruit, on pourrait l'entendre. Ok, donc là, c'est plein de d'os. Les abysses. Nous avons enfin découvert les abysses. Et nous savons pas où nous allons, mais nous y allons. Donc, qui dit nouvelle zone, dit sûrement nouveau boss, et peut-être éventuel pouvoir. Alors, vu que c'est dark... Ouais, mais tu vas me dire au-dessus, s'il faisait dark aussi, j'aurais bien voulu le... Le truc pour traverser les... Comment ça s'appelle? Les machins noirs. Oh là là, ça sent tellement mauvais. Il y a un truc à faire là. Non. Ah si, c'était ça! Ça fait quoi? Pourquoi je suis devenu une âme noire? Pourquoi j'absorbe l'énergie noire? Nouveau pouvoir, le cri des abysses. Appuyez rapidement sur B tout en pour libérer le cri. Ouais, c'est un cri à peine plus fort, quoi. Bon, c'est pas du tout ce que j'aurais voulu. On va dire gentiment, au moins c'est fait, on aura pu aller le chercher. Mais c'est un peu la déception, quand même. Peut-être de l'autre côté, enfin, j'espère. Ou un banc, ou un truc. Quelque chose pour avoir une carte. Ah, je sais que je suis chiant avec mes cartes, mais... Écoutez. C'est ce qui me permet d'avancer en majorité.
Mais bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tuable? Je pense pas. Il y a peut-être un autre truc là-bas, hein, qui sait. La 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 la. Une Géraldine. Oh merde! Les Géraldines sont des monstres. Moi, j'imagine qu'il y a un truc là-bas. Ah ouais, mais je peux pas dasher parce que lui, il est plus haut que les autres. Dommage, on va essayer de trouver un point d'appui. Ah. Il doit y avoir un truc à faire. C'est pas grave. On va visiter tranquillement. C'est bizarre qu'il y ait des âmes comme ça. Dans les abysses. Les abysses, c'est vraiment... enfin... assez péjoratif comme nom. Et notre âme finit dans les abysses. Enfin, ça ressemble étrangement à ce qu'on est en train de taper. Enfin, ce que je suis en train de taper plutôt. C'est pas grave. Donc, est-ce que... oh, est-ce que c'est un indice par rapport à ce que l'on est? Je n'en ai aucune idée. Oh! Mais ça ressuscite, en fait, ces merdes. Une maison. Bon, qu'est-ce qu'il y a, là? Je vais activer un truc. Super. Qu'est-ce que c'est? Des lucioles. C'est un phare, on dirait. Qu'est-ce que ce phare pourrait faire? Est-ce que ça va enlever les méchants pas beaux? Ah! Éteins-la! Non, impossible, mon roi, je suis désolé, la mer m'appelle. Donc d'accord, on est d'accord que c'est de la mer qui avait... là où j'ai essayé de dasher... Tout à l'heure, j'ai essayé de faire ça et ça n'a pas fonctionné. Bon, c'était une question de placement, j'imagine. Si je fonce là-dedans, ça fait rien. Ok. Donc, peut-être que la lumière va éteindre les espèces de bébêtes qu'il y avait grandissantes. Parce qu'on dirait que c'est dans l'ombre. Ah, je peux pas aller. Ah, je tombe comme un caca humain. Voilà. Tant pis. Voilà, on va essayer de voir. Ah voilà, là il y a de la lumière, donc qu'est-ce que je peux passer maintenant? Oh, il y a un truc là-haut. Oui, c'est ça. Ça annule les machins. Avant de passer tout en bas, j'aimerais bien voir s'il y a un truc tout en haut. Un secret, un truc. Je suis très collectif, moi j'aime bien finir mes jeux à 100%, je vous l'ai déjà dit. Puis même, ça peut toujours aider quelqu'un qui a envie de faire le jeu et si ça débloque un truc super important... Ça peut toujours être sympa de voir ça. Bon, je pense que là, je vais atteindre les hauteurs. Hop. Voyons voir. Alors, il y a bien et bien quelque chose, mais je ne peux pas l'atteindre. On va voir en montant par là. Il n'y a rien là? Non. Ok. Donc, il y a bel et bien quelque chose, mais comment l'atteindre? Grande question. Monsieur Jean-Yves de la coquillette. Ces murs là... ouais voilà, c'est trop bizarre. Je sais pas où je vais mais j'y vais. Il y a un truc de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Je prends un petit bain au KLM. Oui. Je vais mourir ou... ah maintenant je suis tout noir. Cap des ombres. Appuyez sur RT pour effectuer une ruée en avant dissimulée dans l'ombre. Utilisez la cape pour effectuer une ruée à travers les ennemis et leurs attaques sans subir de dégâts. Ah, c'est un dash amélioré. Attends. Dash amélioré, ça veut dire que je peux enfin passer à travers les trucs noirs? Oh, il semblerait que oui. Non, ça y est, j'ai enfin débloqué le pouvoir de
De traverser les trucs noirs? Bon, faut tester, faut tester, faut tester. Comment je fais pour aller au... au machin, en haut qu'on a vu? Merde, j'ai pas lancé mon dash avant. Je l'ai lancé trop tard. Ok. Putain, j'ai enfin débloqué le super moite-moite ou... Ah, ça serait bien, sans déconner. Je peux enfin esquiver les machines noires. Oh, ça serait trop bien. Ah, par contre, ça demande un temps de recharge, d'accord. Bon, il est court, mais... Genre, je vais pouvoir esquiver les attaques des monstres. Et les monstres en eux-mêmes, donc je vais pouvoir enfin redasher sur les monstres. Enfin, enfin. C'est vite dit, mais... Waouh, enfin, des nouveaux pouvoirs que j'aurais pu avoir il y a tellement longtemps, parce que j'aurais pu aller là-bas, ici, enfin, ici, depuis un sacré moment. Bah, depuis que j'ai la marque du roi, là, bizarre. Donc ça fait un bon moment, ouais. Qu'on se demandait à quoi elle servait. Oh là là! Oh mon dieu, l'ascension. Oh, il y a des âmes et tout, ça va être la joie. Genre, la joie Bélisel, quoi. Gabriel, tout ça. Oh mon dieu. Mais ça va tellement m'aider pour l'arène, ne serait-ce que ça. Non mais je sais pas où je vais là. Là aussi, c'est obligé qu'il y ait quelque chose de dans cette salle. Bon, bah, peut-être pas, parce que tu vas me dire, je viens de me faire quand même deux pouvoirs pas piquer des hannetons, comme on dit, comme dirait l'autre. Donc, aïe. Comme dirait Cusco, regarde, on monte. Ah! Que je fais? Là, c'est bizarre, il y a des keeps. Il y a un fond de musique creepy. Ouais, un peu, j'ai l'impression qu'il y a. Oh putain. Un gros screamer qui va m'arriver sur la tête. Mais pas du tout. Ça va. Genre un gros grou, le vilain machin. Ok. Mais là, y'a rien. Bon, ben j'ai bien fait de venir ici. Et donc, où c'est qu'il y avait un fond? Ah, ben oui, ben de dans le... Ouais, bon, on se casse. Je veux de suite, mais alors de suite tester si... Si on peut maintenant traverser les trucs noirs. Carte mise à jour. On verra plus tard. Ding. Alors, c'est au... Ah merde, faut prendre une carte. Ah, dis-moi. Faut que j'aille au nid profond. Pour aller au nid profond, comment on fait? Eh ben, c'est tout simple. Tu vois, tu prends le tram. Le tram, ben, tu l'as à l'enceinte du palais, là où on était. J'aurais dû regarder avant. Je suis nul. Je suis bête. Alors, quand t'es nul et bête, je te dis pas, tu passes de mauvais quarts d'heure. Hein. La 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 la. Tant que tu y es, pour le nid profond, as-tu le minerai pâle là-bas? Mais qu'est-ce que j'en sais? Mais c'est quoi cette question? J'en ai aucune idée, monsieur Jacques. Si tu me dis où il est, je peux aller regarder, mais... Mais voilà, quoi. Trouver dans un endroit secret, en accédant au mur à gauche d'une source d'eau chaude, nécessite la défaite de Nosk.
Où c'est que je peux voir qu'il y a une source chaude? Ah bah si, je sais où on peut regarder. Ok, bah on va y passer. Sauf si c'est très loin. Hein. Non, je déconne. On va y aller. Sur E6, il y en a deux que je sais que tu as, mais lui, je sais pas. Bah écoute, c'est pas ma faute si tu sais pas écrire. Un, trouver dans le bassin ancestral situé à gauche de la station de tram. Vaincre les deux Molech. Inférieur en les gardant. Bon, on va voir. Ah, un nombril. Ah! D'accord, j'ai compris ce qu'on essayait de me dire encore une fois, parce que je suis con. Je retourne au bassin. Et c'est... à gauche de la station de tram et de l'entrée principale du bassin. Ah, je me suis fait mal. Ok. Donc on a dit... à gauche de la station de tram. C'est où? Oui, parce que la droite et la gauche, c'est pas mon kiff. Là-bas? Donc là, on est à gauche. Dans la salle à gauche? Peut-être que tu l'as déjà. Oui, je sais plus. Mais quitte à être là, bah ouais, écoute. Ah, ça c'est un Molech. Ouais, je pense que je suis déjà venu par là. Vaincre les deux Molech. Ça c'est encore un Molech. Et donc... inférieur en la gardant. Oh non, des mouches. Oui, je crois que je suis déjà venu là. Ça me dit quelque chose. Oh, on peut esquiver les attaques, oui, bah y a plus rien par terre, donc... ouais, j'étais déjà venu là. Tant pis. Ah, mais je peux esquiver les attaques maintenant, mais c'est vraiment la joie. Hein. Sans déconner. Hein. Donc tu peux mettre une petite case sur ton... sur n'importe quoi. Celle-là, on l'a. Alors, tu m'as dit d'aller où? Enfin, c'est moi qui ai dit... ah oui, d'aller à Deep Nest. À gauche d'une source de chaude. Non, mais je crois que je l'ai fait, celle-là aussi. La carte. La source chaude, alors c'est à gauche de la source chaude. La source chaude, elle est juste tout droit. On peut aller y faire un tour avant d'aller en bas. Excusez-moi. Ah merde. Bonsoir, Faegwen. Je stalk la liste des viewers. Ah bah bravo, le pauvre, si fou, il a rien demandé, il voulait juste passer tranquille. Je me sens seul sur le chat. Ok, d'accord. Ils sont super cool, ces verts. Lesquels? Les scolopendres qui font du bruit et tout? Donc on a dit à gauche. À gauche, pas autant que les araignées, mais ils sont cool. Non, les araignées, c'est des insupportabilités. À gauche, mais j'y suis à gauche de la source chaude. Oh, peut-être là. Oh! Ouais, je pense que ça peut être là. Oui, larve merde! Donc tout ça pour un larve merde. Ouais, les chomp chomp chomp, les araignées. Non, c'est pas drôle. Donc larve merde. Ah, encore un. Oh, larve aux merdes est peut-être le... vous m'avez manqué. Oui, moi aussi, bonjour. Peut-être qu'il est là, le minerai pâle. Ça pourrait être sympa. À l'aide. Là, j'ai peur.
Franchement, je sais pas comment tu fais, j'ai absolument aucun sens de l'orientation, même à la Mac, je me sentirais totalement paumé. Moi aussi, mais non, non, là, sans déconner, j'ai peur. Je sais que le jeu me veut pas de mal, mais. Mais c'est flippant. Je pense que c'est un doppelganger du cul et. Comment? Nani? Watashiwa. Non. Je pense qu'en fait c'est juste un leurre parce qu'il y a des morts un peu partout. Oh putain, j'ai tellement peur. YOLO, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur parce que je suis. Il a disparu! Ça, les doppelgangers, tout ça. C'est peut-être ton frère jumeau abandonné à la naissance. Oui, je pense. Oui, c'est lui. Mais ah putain, mais non, ça m'attire au fond d'une caverne moisie du cul là. Ah là là, je me chie dessus. Ah, oh, je me chie dessus pour rien. Mais en plus, c'est noir et tout. Je vais. Ah, oh, tu m'énerves. Ah, je déteste ces trucs comme ça. C'est vraiment un truc qui me fout une pression, mais de merde, quoi. S'il faut, il m'amène juste un trésor, il est gentil et tout, mais le fait qu'il n'y ait pas de musique, que je me chie dessus comme ça, ça me fait chier. Je déteste ça, sans déconner, j'ai peur. Ah, il bouge! Me fait rire, mais je suis tellement, mais oh là là, mon Dieu, mais non, qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Ne courez pas. Frère, non, c'est pas ton frère, je suis sûr qu'il a pris une apparence et que c'est un truc démoniaque. Je le sais que c'est un truc démoniaque, j'en suis tellement certain, c'est pas normal. Les gens, ils vont se moquer. Ils vont dire que je suis à moitié malade. Alors que je suis malade. Pas qu'à moitié. Bah, faut juste que je me prépare à l'attaque. Revenez. Non! Accepte-le comme il est. Non, s'il te plaît, très cher. Ouais, je vais prendre très cher, oui. Non, non, je déteste. Nani. J'ai tellement peur. Je sais qu'il est là, qu'il m'attend et que je vais juste devoir le taper très fort dans le visage. Non, s'il te plaît. Non, pas encore un truc exigu. C'est pas gentil de me faire faire des trucs pareils. Ah! Il y a des portes qui se ferment, je m'en fous. Ah! C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est une araignée. Oh putain, c'est une araignée. Sale pute! Ah putain, elle est dégueulasse! Elle saute, genre, elle est super fancy. Oh, ok, d'accord, c'est pas grave. C'est un boss, c'est un boss, c'est un boss, c'est pas grave. Au moins, il n'y a pas eu de screamer, il n'y a pas eu de... J'ai juste eu peur pour rien. Voilà, ok. Ok, qu'est-ce qu'elle fait? C'est pas grave, d'habitude, ça, je peux les esquiver maintenant. Je vais mourir. Je vais mourir parce que je dash dessus comme un gros con. Et voilà. Ok, bon. Moquez pas de moi, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Je suis une flippette. Ah merde, c'est bientôt l'heure de la pause. Enfin, c'est l'heure de la pause. Oh la vache, oh, mais je me chie dessus, moi, c'est insupportable. Bon, par contre, si elle est à nouveau apparente, enfin, là, je pète une durite, quoi. Je déteste ça, moi. Allez, on tue Nosk et on fait une pause. J'ai le cœur qui bat trop vite pour rien, quoi. Mais je suis comme ça, en plus ça fait des cracks parce que c'est juste les portes qui se fermaient derrière moi et comme j'ai flippé comme un gros con, ben voilà. Pardon.
les gens vont se moquer après. Oh là là. Qu'est-ce que... Elle court sur le plafond. Oh mon dieu, non. Oh mon dieu, non. Non, 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 s'il te plaît, sors de là. Merci. Je préfère encore que tu cours, que tu me cours dessus et tout, mais... Mais pas ça. Tout sauf ça, s'il te plaît. Elle va trop vite. Ah, mais merde, tu m'emmerdes, boss de merde. Tu veux pas retourner? Oh non, je vais encore mourir. Ah, putain de merde! Décidément. Elle saute. Elle est où? Ok, elle est là. Elle est où? Elle est sur le plafond. Mais merde! Elle est où? Elle saute? Non. Oh putain de merde! Eh, t'es super énervée, cocotte, hein! Ah merde! Ah quoi? Elle est où? Ok, elle est au-dessus de moi. Bon, c'est pas grave. Faut jouer la montre, faut jouer la montre, faut jouer la montre, faut jouer la montre, mon cœur. Ah, elle saute! Elle peut pas mourir! J'avais Altab et soudain, oui. Je suis désolé. C'est juste que... Elle est morte? Non, pas du tout. Putain, je suis tombé dedans. Moi, je me moque pas, j'ai eu peur aussi, mais c'est pas à cause de l'araignée, crabe ton frère. RIP ceux qui portent un casque, le cri. Ouais, non, mais c'est... Oh, putain, mais... Allez. On a dit, on fait l'araignée, parce que, ben, on a perdu du temps sur l'arène. On fait l'araignée, et on fait une pause. Je pense que je l'ai bien mérité pour me remettre de mes émotions très subtiles. C'est pas grave, tu nous fais ressentir tes sentiments. Ouais, il paraît, ouais. Tu sens pas du tout le mec nerveux quand il dit ça, quoi. Enfin... Moi aussi, j'ai peur des jeux d'horreur, l'ambiance, ça me fout les jetons. Bah, attends, mais j'en viens de là. Oui, j'ai fait le con, ok. C'est, oui, mais je pense qu'il y a des gens comme ça qui arrivent pas, on va dire, à gérer grande adrénaline. Il y en a qui adorent ça, moi je déteste ça. Genre, tu peux pas me mettre dans un manège à sensations parce que... C'est pas que ça me fait peur, hein. C'est juste que je n'aime pas ça du tout, quoi. Merde. C'est juste que j'aime pas ça, et en plus je suis malade dans tous les transports, alors... Un truc qui va aussi vite, crois-moi, c'est la PLS assurée pour moi. Putain, elle va vraiment vite. Et la musique pseudo-araignée avec les cordes là, c'est insupportable, sans déconner. Genre, hé, il y a une araignée, si on mettait des cordes. C'est insupportable. Ah putain, ça fait. Ça... À chaque fois, je me le prends, l'œuf. Hein. Puis les proies qui sont accrochées derrière, sans déconner, c'est pas. Ça te met pas du tout en confiance. J'ai pas entendu. Putain. Elle court super vite, quoi. Comme les vraies araignées, les grosses connes. Elle saute. Elle est où? Elle est là-haut. Putain. Eh, je suis mort. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vie du boss, 550. Ah oui, mais je sais pas combien je tape, moi. Récompense minerai pâle. Oui, bon, bah ouais, bah, c'est gentil. Quoi, j'apprécie le hug. Ah putain, oui, non mais ça remonte le hug. Non, sans déconner, je vais essayer de le faire. Fais la pause. Une dernière fois, s'il te plaît. S'il te plaît, une dernière fois. J'aime pas rester sur un échec, c'est quelque chose qui m'emmerde. Je suis un peu lent, ok. Mais non, on dira juste que t'es différent.
Elle est plus que rapide en fait, Nosk. C'est ça, Nosk? Ouais. On va l'appeler. Et Géraldine qui m'emmerde. Merci Géraldine, grâce à toi j'ai perdu 3 points de vie quoi. Eh, les œufs, je les prendrai. Hein. Bah, elle me vomit dessus quoi, c'est pas drôle. Non mais les sauts qu'elle fait quoi, la disposition des jambes est quand même épique. Genre yeah, je vais sauter. Non, elle arrive. J'aurais dû changer de badge, parce que, contre elle, la régénération rapide aurait été sympa. Bah, si je perds, je remettrai ça. Ok. Non, parce que si tu dis 550 points de vie, la question c'est combien je lui mets avec un coup. Parce que si je dois la toucher 550 fois, c'est un peu la merde. Tu comprends? Oh putain. Tu comprends la logique? Bon, elle saute. Elle est plutôt sympa. Elle est où? Ah, elle est au-dessus. Non, non. J'ai pas dashé dans mon sens. Oh là là, mais je croyais que je prenais pas les dégâts quand je dashais maintenant, hein? Je vais à la con. Elle court? Ouais. Merde. Ah putain! Pas cool. Merde! Non! Oh putain! Elle est où? Elle est au-dessus. Et là, je peux pas régénérer mon point de vie! Oh non, elle va me tomber dessus. Non! Oh putain, yes! Vite, avant de savoir s'il y a un truc qui pète ou pas. Merde, salope. Le mec, pas du tout énervé. Attends, parfois il y a qui pond, il faut savoir faire un pas en arrière pour repartir du plus bel. Les dictons de Papy Ores. Les dictons de Papy Ores. J'ai déjà trouvé ton jingle. Ok, bon, ben le voilà le minerai pâle. Et ben le voilà le jus d'orange. Sans déconner, quoi. Bon, je retourne au banc et on fait la petite pause. Et je vous interdis de vous moquer de moi et d'envoyer des clips à vos amis, genre, regarde là, l'île est nulle. C'était quoi ça? Ah, mais attends, j'ai pas testé un truc. Rien. Bon, on a 3 minerais, donc. Le but là pour la prochaine partie de cet exposé, je vous propose tout gentiment de alors on va essayer de passer à travers le truc noir. Ça fait, je sais pas si c'est raciste ce que je dis parce que sans déconner depuis tout à l'heure, on va essayer de passer à travers le truc noir, voir si c'est ce pouvoir qui débloque la chose ou pas. Ou s'il faut un emblème, un truc du genre. Et après, on va partir sur le minerai. Et après, on reviendra peut-être sur l'arène. Hein? On fait ça? Bon, allez, je m'arrête là. Je regagne ma vie. Voilà, mon mana, on est content. Allez, je vous dis à tout à l'heure, messieurs, dames. La bise. Oui, hop, le guillon aussi, on le fera. Allez, à tout. Aloha, aloha, aloha. Bonsoir, mademoiselle la lapine. Comment allez-vous? Tout ça, tout ça. Non, mais attends, il existe des choses qui font peur à Yakipon. Oh mon dieu. Merde. heureusement que tu n'étais pas là il y a une demi-heure. Oui, les araignées, c'est vrai. Mais ça, c'est depuis très longtemps. Je déteste ça. Donc, Hollow Knight, si tu veux une petite présentation, je te propose déjà de revoir tous les let's play sur notre page YouTube. Et ensuite, Hollow Knight, en fait, c'est un Metroidvania. Si tu ne sais pas ce qu'est un Metroidvania, c'est un jeu comme Metroid, c'est-à-dire
Un jeu qui te force à venir, revenir dans des zones et après avoir débloqué des upgrades. Et donc là, actuellement, on a ces saloperies de colonnes noires. Et je pense peut-être avoir... Oh putain, oui, c'est ça. Ah, on a enfin le pouvoir pour les traverser. Allez, c'est parti. Et maintenant, grâce à ce pouvoir-là, on peut ne pas prendre les dégâts et donc faire des dashs plutôt intéressants. Les crabes, araignées, frères aussi, ça lui fait peur à Skip. Merde, fallait pas ça avant. Que t'es con, mon pauvre! Décidément, j'arrive pas encore à m'y faire à ce dash. Ah, c'est cool ça. Bon, ok, si on arrive à bien actionner comme il faut. Ce dash est un peu bizarre. Alors, Jean, je sais pas ce qu'est un Metroidvania, mais j'apprécie ta bienveillance. Hashtag respect pour les grands-mères. Alors non, t'es pas une grand-mère, tu peux être juste une personne lambda, et comme je ne sais pas... Ombre tranchante! Ah! Ah! Enfin! Donc là, on a fait ce petit chemin-là. Maintenant, on va aller upgrade notre arme. On sait jamais, hein, tu sais, quand je dis Metroidvania, parfois les gens ils me regardent genre... Esthétiquement, c'est cool, j'aime bien. Alors oui, le monde est plutôt très cool. Il peut être très dark, comme il peut être très coloré, comme je vais te montrer, parce que j'ai des... Alors j'ai plusieurs améliorations. Ouais, t'arrives pas en fin de jeu, mais on va dire qu'on est sur la phase descendante du game. Regarde comme c'est coloré, c'est joli, la musique elle est sympa. Mais oui, on s'amuse. Bon! Donc je suis désolé la lapine, je vais pas te faire la présentation de tous les petits bonhommes, parce que ça va en faire. Metroidvania, c'est la serviette hygiénique de l'espace. Oh putain. Alors d'un côté ça me fait mal, d'un côté je trouve ça génial. Alors ma petite carte, putain j'en suis tout chamboulé là. Oh merde! Putain! Ah là là, mais qu'est-ce qu'elle est folle cette fille! Faut que tu lui montres le tram de la malaisance aussi. Le tram de la malaisance. Le tram de la malaisance. Alors je veux bien une aide sur ce qu'est le tram de la malaisance. Le tram de la malaisance, ça sonne bien. Ah putain, faut qu'on aille voir les larves aux merdes. Faut au moins qu'on te présente les larves aux merdes. Ok, non, toi, dégage, merci. Ah, donc là, on est parti pour aller augmenter les dégâts de mon arme. Putain, j'avais oublié que c'était fermé. Ah, mais je peux monter par là. Ok. Ah! Olé. Cool! Maintenant on peut passer ici tranquille. Mais où je vais? Mais c'est pas par là! C'était magique. Mais de quoi vous parlez? Les larves aux merdes, ça a changé Pokémon, dis donc. Oui! Alors. En fait, petite histoire, dans ce jeu, tu peux collectionner. Enfin, il y a des collectibles qui s'appellent. Enfin, que j'ai surnommé des larves aux merdes. Ce sont des petites larves. Je verrai le replay. Attends, t'as plus la cinématique où t'es tout seul dans le tram avec tout le monde mort dedans? Mais de quoi tu parles? Alors là, je vois pas du tout de quoi tu parles, mon petit. Mon petit chat, alors, le plan, c'est... Il se passe trop de trucs là. Non, mais le tram est toujours utilisable. Ah ouais, putain, mais je me souviens plus de ça. Ah, moi, la mémoire, généralement, c'est mon fort, mais là, c'est la mémoire volatile, tu vois, c'est... Allez, bim! L'ascenseur. Donc là, nous allons, donc je disais, avant que la lapine débarque, j'ai dit que nous allions augmenter. La première fois que tu as pris le tram, ça avait fait ça, il me semble. Peut-être. Je ne sais pas. Je m'en souviens plus. C'était peut-être juste dans le tram qu'il y avait des gens morts, hein. C'est peut-être dans une station de tram. Bref.
Donc nous allons augmenter notre aiguillon pour faire beaucoup plus de dégâts pour revenir au début de la vidéo, c'est-à-dire à l'arène. Et oui, n'oublions pas, j'ai ça à faire. Et puis maintenant que j'ai un pouvoir qui me permet de dasher et d'esquiver des ennemis et des dégâts. Bon, pas là parce que j'ai fait de la merde, évidemment, parce que je suis nul à chier, mais ça c'est... Tout ça n'est que... Mais comme subterfuge, je sais même plus parler. Allez, on va chez le forgeron. Tu penses jouer jusqu'à quelle heure, Yakipon? Alors, généralement, je fais du 21h minuit. Après, ça dépend. Il y a des épisodes qui sont plus longs parce que ça s'est super bien passé et que j'étais à fond dedans. 4000, ça pique. Mais c'est la dernière augmentation de notre petit aiguillon, donc ça, c'est cool. Donc, minuit et ce soir, ça dépend parce que j'aimerais bien torcher l'arène. Comme ça, au moins, la semaine prochaine, il n'est plus nécessaire de le reforger. Ton aiguillon est maintenant bien plus puissant qu'il ne l'était autrefois. Aussi puissant qu'il ne le sera jamais. C'est uniquement dans ton arbre que j'ai pu trouver un tel potentiel. Je peux enfin admirer la grandeur de ton aiguillon pur. Penser que je vivrai un tel moment si tôt dans ma vie, je dois prendre un peu l'air. Ok. Donc, peut-être que... Ouais, ce soir, peut-être que je vais déborder. Pour finir... au moins le... Quoi? Je t'en supplie, transperce-moi avec ton aiguillon. Pendant les derniers moments de ma vie, je peux pouvoir goûter à la pointe exquise de la lame. Attends, quoi? Il veut mourir? Merde, il veut mourir. Je peux même pas voir... Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? Bon, bah adieu. Succès déverrouillé, pureté. Non mais merde. Mais je comprends pas ce jeu parfois, hein. Donc juste pour un petit topo pour Mademoiselle la Lapine, on est dans une ambiance. Est-ce qu'on est les gentils, est-ce qu'on est les méchants? Et ça ne me conforte pas dans mon idée qu'on est gentil. Mais plutôt chez les méchants. Ouais, la sécheresse de la mort. Ouais. C'est, y a des choses que je ne comprends toujours pas encore dans ce jeu. Bon. Le fait est que... on a fait donc tous les endroits possibles et imaginables. C'est-à-dire ici, c'est fait. Les abysses, c'est fait. Il y a le phare, il y a le machin. Oh putain, il y a une porte encore là. Je savais qu'il y avait une porte. On retourne là-bas. Oui, il me l'a demandé. Oui, c'est sûr. La carte est grande. Ah oui, ça fait 5-6 lives, je crois, qu'on est dessus. Donc ça fait 5-6 fois 3 heures. Il y a des moments où j'en ai chié pendant des heures parce que les boss ne voulaient pas tomber. Et que j'étais très nul. Mais ça, t'es au courant de ma nullité. Ça serait bien d'aller faire un petit tour s'il n'y a pas un marchand. Ouais, on va aller voir les marchands s'il n'y a pas des quarts de cœur. C'est le 7e jeudi de live. Waouh, ça fait bientôt 2 mois, c'est fou. Ça coûte rien de rendre service. Ouais, ouais, on va dire ça. On reste en feu ce soir, je crois. Donc ouais, n'hésite pas. Je peux comprendre que les VOD, on va appeler ça des VOD. Je peux comprendre que les VOD peuvent être, on va dire, un peu suffocantes, vu que c'est quand même 3 heures et quelques. Vilaine. Mais je pense que le genre vaut vraiment la chandelle, et puis... Pff, il paraît que je peux être drôle parfois, donc bon, si ça te dit. Non, je me suis énormément amusé sur ce jeu, ça, sans déconner. Mais c'est vraiment dommage que tu sois pas arrivé une demi-heure avant, parce que je pense que tu te serais pissé dessus. Sans déconner. Alors, le petit marchand... Non, il n'y a plus rien chez les marchands. Il y a 2 portes, peut-être, à vérifier. Ah bah, je kiffe bien ton humour, justement. Ben voilà, ben si tu sais pas quoi faire... Non, ici, toujours rien. Bon, je crois que les magasins, c'est plié. Oh, attendez, on a un nouveau badge. Nouveau badge. Parce que oui, regarde, il y a de l'équipement. Super l'équipement, waouh, c'est génial. Alors, un charme contenant un sort interdit qui transforme les ombres en armes mortelles. Quand son porteur utilise la ruée de l'ombre, octroie une carapace aiguisée qui causera des dégâts aux ennemis. Alors ça peut être putain de bien.
Mais pour ça, faudrait peut-être enlever... de recevoir une petite quantité quand il subit des dégâts, c'est toujours sympa. Longue lame, c'est juste indispensable. Les épines d'agonie, c'est bien. Le sang de ruche, je sais pas. Et la boussole, ben, c'est ce qui... Je remets la boussole. La boussole, c'est ce qui permet de pouvoir savoir où on est exactement. Après, je pense que je pourrais jouer sans boussole, parce que je commence à me faire à la carte. Alors, je vois bien, t'achètes tous les items d'un marchand. J'ai plus rien à t'offrir, je t'en prie, mets fin à ma vie. Ça pourrait être génial. On tue tout le monde, genre... Ben, tu vas me dire, j'ai déjà bouffé tous les esprits du jeu, hein. Dans bon, au final, l'un dans l'autre, je crois qu'on s'en sort. Qu'il est con ce gars, c'est pas possible. Bon, alors, il y a deux potentielles portes. Il y en a une là, en plein milieu de mon écran. On dirait une porte de pseudo-sortie. Et il y a aussi une nouvelle là, en plein milieu de mon écran aussi. Donc c'est les deux seuls endroits qui pourraient être, on va dire, ouverts à de nouvelles, à de nouveaux horizons. Il y a aussi la carapace abandonnée, il y a un... Ah oui, il y a un trait noir là, où la map s'arrête. Mais on va faire le Colisée. Je suis vraiment chaud pour faire du Colisée. Est-ce que les esprits, ils s'en sont pleins au final, j'ai envie de dire? Non. Non, ils nous racontaient notre vie. D'ailleurs, dans un épisode... dans un épisode, on avait le chant d'un esprit qui chantait vachement bien. Et d'un coup, ben, j'ai décidé de mettre fin à sa vie très très vite. J'ai pas été très gentil. Attendez, parce que par contre, pour retourner à l'arène, comment on fait? J'ai pas enregistré le chemin. Oui, mon cristal. On peut y aller depuis la clairière des esprits. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs, je pense. Parce que si on passe par... Ouais, non, ça me plaît pas l'autre chemin. On va passer par la clairière des esprits. C'est parti. Le repos éternel. Oui, parce qu'en plus de connaître les zones, il faut connaître les... T'as pas un succès où tu achèves tous les PNJ? Je sais pas. Et après, il s'est réincarné dans le marchand chanteur de Cryptos et Necronets. Il chante bien le marchand dans Crypt of the Necrodancer. Oh, il est sympa. C'est mon petit pote. Alors, hop. C'est bien par là au moins. Parce que parfois je sais même pas où je vais quoi. C'est quand même triste. Malheureusement, oui, c'est par là. Tu vois, les petits bruits d'ambiance, tout ça, c'est sympa. Je peux pas du tout me chier dessus, hein. Merde, je suis obligé de remonter. Par contre, lui, il est pas trop chaud pour se laisser trucider. Ah oui, alors le marchand de Crypt of the Necronancer ne mettait jamais une bombe à côté de lui. Voilà, donc maintenant, je vous ai dit de pas le faire, donc vous allez le faire. D'accord? On fait ça. Ah oui, le marchand de Crypt est assez énervé. Il vous aime pas beaucoup. Vous lui achetez juste des trucs, hein. Il fait juste sa fonction de marchand. Plutôt du genre à poursuivre les voleurs. Alors non, tu ne peux pas voler, je crois, dans Crypt of the Necrodancer les objets. Par contre, si tu lui mets... S'il prend des dégâts, quels qu'ils soient, par ta faute, bah, il te maravera la gueule. Alors il est tuable, hein. Il y a un succès d'ailleurs pour le tuer. Mais il est un peu violent quand même, le bonhomme, hein. Je préfère te le dire. Il est un peu énervé du zboob. Je vais te tuer en chantant. Non, je crois qu'il s'arrête même de chanter quand tu le tapes. Mais ça, c'est un autre problème. Bon alors, le retour de la reine. On enlève notre boussole. Et à la place, on met notre... Ah. On met notre puanteur. Parce que la puanteur, quand même, c'est plutôt pas mal, hein. Après, j'aurais pu mettre le fait de dasher avec l'ombre, ça peut faire des dégâts, mais je me suis dit bof. Alors, j'espère vraiment y arriver du premier coup, sans déconner. Après, tu vas me dire, j'ai pas tous les quarts de cœur. Hein. Je pense qu'il me manque un ou deux cœurs dans le jeu. Je sais pas. Donc oui, le chargement est long, c'est normal. Allez, on y croit, on croit en moi et en mon skill légendaire. Comment ça commence déjà? Ouais, je vais plutôt me mettre de ce côté-là. Ok, d'accord.
Bon, ça risque d'être long, et si je suis un peu plus silencieux, c'est normal, j'ai vraiment pas envie de me planter là-dessus, quoi. La mouche de merde. La fameuse. Oh, mais maintenant, je peux lui dasher dessus sans forcément prendre tous ses dégâts. Mais c'est génial. Putain, j'ai fait deux belles parades, je suis content. Ah, là là. Bon, là, c'est normal, si je prends des dégâts, c'est pas grave, hein. Je préfère avertir pour les nouveaux arrivants. Ah, putain. Lui, c'était pas prévu. Ah, putain, cette mouche. Mais merde. Là, j'ai reçu une essence. Oh putain, ça y est, on a fait un peu de paix. Elle, elle est pas très dangereuse. Ça dépend où elle se place. Au revoir. Moi, je connais le retour vers le futur. Ah merde, j'avais pas saisi la reine. La reine. Ah oui, bon. C'est pas très grave. Non ! Oh putain. Ok. Ah, mais non, on leur met que deux coups. Ah, mais j'avais oublié que le fait d'avoir augmenté mon aiguillon, bah, je leur fais moins de dégâts. Plus de dégâts, pardon. Parce que moins de dégâts, ça me fait chier, quoi. Bravo, vous avez... J'avais oublié cette phase. Ok, good. On est pas trop mal. Les araignées du fion. Bon, elle, c'est toujours trois coups. Ah, putain. C'est pas grave, les deux ont pris. Au revoir. De toute façon, mon point de vie se régénère grâce au pouvoir de la ruche. Hop. Bonsoir. J'essaie de pas trop bouger sur ça. Paf. Ok, plus qu'une. On va la tuer grâce au tourbillon de l'amour et de la vérité. Le fameux. Ok. Ah, par contre, je vous lis plus, hein. Je préfère vous le dire. Parce que je suis concentré. Si je peux le... Pas le one-shot, parce que je me suis déjà chié sur le début de la partie, ben, c'est pas dur. Ah, merde. Je pensais pas qu'il passerait. Deux fois. Ces mouches de merde. Mais ces mouches... Oh, je l'ai one-shot, l'autre. Enfin, c'était étonnant. J'arrive pas à les tuer, ces mouches de merde. Quoi? Mais comment il est mort, lui? Il y a des mouches, parfois, elles disparaissent en mode « J'arrête de vivre, j'en ai marre. J'ai vu ce que t'as fait à l'autre, tu l'as tué, on l'a vu. » 100% le roi derrière, il est mort depuis quelques centaines d'années. Ouais, je sais pas ce qu'il fout, mais... T'as ces mouches, quoi, j'en peux plus. Là, les scolopendres... Les fameux, ils sont beaux, hein. Alors, des nouvelles mouches. Ah, les moustiques, c'est un peu relou. Allez, tout le monde bouffe. Hein. C'est gratuit. Merde, mais j'ai tiré quand même. On peut soigner? Non, on peut pas. Putain, mais... La reine, je sais pas si c'est moi, mais ça lag à mort. Sans déconner. Tout le reste, ça allait bien. L'araignée est tranquille. Et la reine, c'est la merde. Ok, bon. Alors, faudrait tuer cette larve. Oh non, mais c'est la merde, en fait. Faut que je vous la montre. Parce qu'elle est dangereuse. La menthe religieuse, elle est pas là pour vendre des crêpes. Et merde. Non, fallait pas la tuer. Oh, là, c'est la merde. Les donuts magiques, les fameux. Ah, putain de merde. Non, 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 pas du tout, tomber dessus. Arrête, menthe religieuse du fion. Oh, non. Oh, putain. Oh, mais je suis vivant. Non, non, bon, tant pis.
celle que tu n'as pas trouvée à temps. Bah écoute, je fais de mon mieux. D'ailleurs, faut qu'on y passe, putain, j'avais dit à la Lépine qu'on lui montrerait les larves aux merdes. Oh, bon, mais maintenant qu'on est là... La phase des mages est vraiment insupportable. Il faut absolument que j'arrête de me prendre des dégâts de merde. Dans les vestiaires avec les mantes religieuses. Ok, les filles, là, vous avez... Oh, mon Dieu. Mais ça va pas bien dans ta tête. Oh, mon Dieu, non. À l'arène, c'est un peu compliqué, sans déconner. Ah merde, bon il meurt. Hop. La mouche. Ok. Oh oui, faites la même chose, c'est mignon. Danse synchronisée des débiles. Oh merde, salut toi. Mais foutez-moi la paix. Pif, pouf, pif. On se soigne un point de vie. On fuit. Et on tape la mouche de merde. Voilà! On se soigne un point de vie! On tape la grosse mouche de... Oula! Oh oui! On se soigne! On décède... On fait décéder celle-là, parce qu'on va décéder celle-là, c'est pas français. Elle, on va la tuer au corps à corps tranquille. Là, on essaie de regagner du mana. Qu'est-ce qui se passe encore dans le chat? Le roi insecte derrière, il est mort ou bien il a une scolose bien vilaine? ça serait bien de gagner du mana sur eux avant qu'ils décèdent malencontreusement parce qu'il y a des oiseaux suicidaires qui tombent dessus. Voilà. Y a quoi ensuite? J'ai oublié. Oh non, les araignées. Ok. On reste calme, on va y arriver. Merde, j'aurais jamais dû sauter. Mais depuis quand mon dash il est plus dash? Non, parce que je peux passer à travers les ennemis maintenant, c'est quoi cette arnaque? Oh là là, oh là là. Alors bonjour, ici la PLS. Position latérale de sécurité, libération des voies respiratoires, tout ça. Pff, putain. Paf. Ah toi t'es vilaine. S'il faut, c'est le boss de fin du... Oh, merde. Du... de la... Le boss de fin. Le boss de fin de l'arène, hein, s'il faut le vieux derrière. Genre, il va sortir de sa coquille telle une larve en train de muter, muet, je sais pas, pardon. Pas muet, non. Si, c'est une mue de serpent, donc il mue. Désolé pour l'exemple du serpent. C'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Putain, mais l'autre qui se plante là... Oh là là, mais cette PLS, quoi. Allez, on est reparti. Tiens, toi. Vite, faut la supprimer. Ok. Je supprime. Je supprime les mouches. Je les supprime. Je supprime les mouches. Mouches. Je vais gagner un point de vie. Voire deux. Voire trois. Impeccable. Ensuite, j'attends les prochaines mouches. Je viens de mettre mes doigts sur mes lunettes. Elles sont dégueulasses, je n'y vois plus rien. Putain. Si moi aussi je me mets de l'handicap parce que je suis complètement con avec mes lunettes, ben je vais pas aller loin. Ya. Ok. Nice. Non. La mouche à merde. J'en ai marre. Elle me saoule. Au revoir, mouche à merde. Ok. Elle a tué son pote ou c'est mon poison qui l'a tué? Parce que... Oh oui! Oh, c'est un moment donné. Vas-y, fais-moi le donut magique. Donut magique. Allez, venez dans le donut magique. Ça, c'était pas cool, mademoiselle. Paf. Ah, putain. Même si je les pars, ces connards de donut, ben... Faut que j'en tue qu'une. Ah, j'ai tué les deux, lol! Faut que je tue ça. Et juste ça. Ok. Donne-moi le donut. Ça me fait chier, je peux pas lire le chat. D'habitude, je peux. Il y a trop d'animation. Les gens sont en liesse devant mon skill légendaire. Oh putain! Allez!
On passe à la phase de l'emmerdement des mages. Oh putain, il y en a un, je l'ai... Oh! Alors lui, mais il a pris la bite! Et toi aussi, paf! Ah, j'avais oublié le sol! Merde, ils avancent vite. Celui du... Voilà. Merde, j'ai oublié de taper en bas encore. Elle m'emmerde, ces spectres de... À la con, là. Oh, bonsoir. Là, il se passe la merde, là. Vite. Un point de vie. La méduse. Bon, ça va. La méduse, elle est plutôt sympa, hein. On a vu qu'elle nous permettait de nous régénérer, tout ça, mais après. D'abord lui, voilà. Ok. Ça se passe plutôt bien. Il est où? Il est où, ce salopard? Il est là-bas. Meurs! Meurs! Ok. Cool! Non! Non! J'avais oublié lui! Arrêtez de me bombarder, c'est pas très gentil! Vite, il faut que je tue lui. Oh là là, mais lui, il est super énervé. Ok, au revoir. Si je le tue, lui, j'ai une phase où on attend un peu et je peux me soigner ou... Ou c'est la mort du cul? Ok, vite, 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 ok, cool. Oh là là, ce que je lui ai mis? Grâce à la hache du petit bonhomme. Merde. Le petit bonhomme à la hache. Vite, vite. Ah, putain. Ok. Ça, tant que ça part vite, je suis content. Ok, cool. Merde. C'est pas grave, ça meurt. Faut soigner. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, c'est pas grave. Si, c'est insupportable. Faut le brûler. Faut pas le brûler, je sais plus. On l'avait déjà tué, ce boss de merde. Oh la vache, il m'a craché au visage. Tiens. On peut pas se soigner contre cette merde, par contre. Oh la vache. Ok, il est mort. Vite. Dis-moi que c'était la fin. Qu'est-ce que c'est? On s'en fout. Non, on s'en fout pas. C'est quoi? Ah! Ça, c'était fourbe, monsieur, dame. Je suis en PLS. Il va sortir du sol. C'est la fin. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, combat aérien. C'est quoi? Et le retour du combat aérien, le fameux. Sinon, ça peut être la fin. Vous trouvez pas que j'ai assez souffert? Merde. Evelyne Delia, oh non. Vite, meurs. Ok. Je suis en PLS. Aimez-moi, s'il vous plaît. Faites un Genki-Dama pour moi, s'il vous plaît. Oh, le donut. Merde. PLS, poivron lyophilisé du sud. Oh là là, il y a tellement de merde. Bon, ça va. Enfin, ça peut être dangereux, mais ça l'est à moitié. Oh la vache. Bon, ben... Je vais mourir. Sans déconner, je vais mourir. Oh la vache. Parfois, j'ai un cul énorme. Non, en fait, c'est toute la vie que j'ai un cul énorme. C'est la fin, putain. Non, non, oh non, c'est dégueulasse. Non, non, pas encore. Non! Il se passe quoi, là, encore? Mais putain, mais j'en ai marre. Oh, des araignées. C'est le moment. C'est pas grave. Elles vont repartir. C'est le moment où je gagne des points de vie. Oh, putain. Il y en a combien, là? Il y en a 16 000, ou... Bonsoir. Bonsoir. Elle s'est suicidée.
C'est la fin. Dis-moi que c'est la fin, s'il te plaît, j'en peux. Non, mais c'est pas possible, mais ça va durer combien de temps? Oh, le retour des connasses! Aïe. Putain, mais décidément. Quand ça veut pas. Oh, il y a un ennemi. Un ennemi cool qui permet de régène. Allez, dis-moi que t'es toute seule. Yes! On peut régène la vie du cul. Je n'ai plus accès à mon chat parce que mon téléphone s'est mis en veille. Bon, là, je pense que c'est la fin. C'est le bordel. Genre, même Borderlands à côté, c'est moins bordélique. Cette blague est nulle. Là, par contre, je perds beaucoup de vie pour rien. C'est la fin, non. La musique, elle est super énervée. Tant pis, j'étais greedy. Putain, je peux pas faire les deux, là. En vrai, je peux, mais... Ok, toi en moins. Oh, lui, il est sympa. Il bouge pas beaucoup, il bouge pas beaucoup. J'en peux plus. C'est la fin, c'est la fin. Dis-moi que c'est la fin. Envoie-moi les bits, là. Non, c'est pas la fin. Putain, c'est le boss de fin. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Dompteur de Dieu. Ok, bon, c'est le boss de fin. Merde. Je connais pas du tout ce qui fait... Ce qui en fait... Un boss de merde. Bon, c'est possible, sans déconner. Si je fais gaffe un minimum à ce que je fais... Oh putain, sans deck quoi! Arrête de cracher, espèce de connard! Non, je vais perdre! Oh, je vais perdre! Oh, je vais perdre! Oh, j'ai perdu! Nique ta race, j'en peux plus! Oh, mais sans déconner! Oh, excusez-moi, je nettoie mes lunettes, je suis dégoûté, putain! Non mais je vais encore passer... Combien de temps j'ai mis plus de 10 minutes vu que mon téléphone s'éteint au bout de 10 minutes. Ça veut dire que j'ai mis quand même plus de 10 minutes à faire toute cette merde pour rien. Je suis dépité. En espérant que tu n'aies pas à refaire tout. Tu déconnes j'espère, c'est une blague. Évidemment que j'ai tout à refaire. T'as super bien géré. Bah la preuve que non, parce que sinon, si j'avais bien géré, j'étais pas mort. J'en ai marre. T'es allé quasiment jusqu'à la fin. Bah en fait, c'était le boss de fin. Et là, je vais arriver, et ils vont tout me refaire faire. En fait, après la base de... Après les combats aériens, c'est donné. C'est donné jusqu'au boss. Mais bon, enfin, faut y arriver. C'est stressant. C'est trop stressant. Moi, je meurs et tout, après, je pleure. Ma maman, elle est pas contente, hein. J'ai fait une erreur en fait en tuant le... En tuant un mob et pas l'autre. Enfin, c'est... Je me suis... Gros putain de réconfort. C'est juste que je m'énerve contre moi-même en fait. Je m'énerve pas forcément contre le jeu, c'est juste que je m'énerve contre moi-même parce que je sais que je peux faire mieux. Allez, vas-y, nique-toi. Putain, mais pourquoi je l'ai pas tout. Ces mouches, elles me font tilt, mais d'une force!
Là, t'appuies sur le bouton pour attaquer, il se passe rien. Là, c'est la débandade gratuite, là aussi. Ok, on s'arrête. Des montres religieuses ont fait de la charpie. C'est l'autre espèce de fourmi de sa merde là. Qui me font chier, mais tu me forces. En plus, il est nul quoi, le pattern est nul à chier, c'est ça qui m'énerve. C'est le pattern est nul, il n'y en a pas. C'est juste que je suis tellement stressé que je fais que de la merde. Alors faut vite taper un connard là. Voilà, je gagne un peu de mana. Donc que ça soit la déchéance. Ouais, courage, mais pff, ça me fait chier, ça fait encore une heure que je suis sur cette merde quoi. Ça m'ennuie. C'est ça qui m'embête, c'est ça m'ennuie pour vous et ça m'ennuie aussi pour moi. Alors elle, je sais pas où elle va, tant pis, on la gère pas maintenant. Salut. Ces araignées sont nulles, mais c'est pas grave, ça donne du mana. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut se dire. Comment je l'ai tué? Ah, mon poison. Faut se dire, c'est que là ça donne du mana, c'est fait exprès, c'est une phase pas trop compliquée. Où serait le piment, où serait l'enjeu? Bah, l'enjeu de passer une heure devant un PC à trimer sur une sur un truc qui est quand même long. En fait, ça serait moins long, je l'accepterais, tu vois, s'il n'y avait pas toute la dernière phase, genre après les mages ça se termine. Oh, ouais, non, que après le combat aérien ça se termine, tu vois, je le prends bien, il y a pas de souci. Et devoir me retaper toute la connerie derrière. Et ces mouches, quoi. Ces mouches. Qui veut de ces mouches, quoi? Tiens, meurs. Tiens, toi aussi. Elle, j'ai toujours du mal à aller la chercher. Allez, vas-y. C'est quand même incroyable. Allez. C'est où que j'aille, elles trouveront un endroit pour me péter la gueule. Où que j'aille. C'est quand même incroyable. Si tu finissais cette arène du premier essai, ouais, c'est vrai que c'est un peu long. Bah, non, c'est vrai. Si je la finissais, pardon, du premier coup, comme c'est comme certains boss. Il y en a, je les ai torchés. Mais tu te dis putain qu'il était nul, alors que Sifu, il était vachement cool, mais dans une autre configuration que celle-là. Ah, meurs. C'est pas grave. J'accepte. Faut savoir dire j'accepte. Lui, je le vends en vie parce qu'il est nul et qu'il y a Georgette. Du fion. Au revoir, Georgette du fion. Oh, mais j'ai pas de vie à récup. Enfin. C'est pas trop mal. Tiens, Georgette du fion. Aïe. Décidément. Là, j'aimerais bien récupérer ma vie, par exemple. Elle m'emmerde. Ok. Allez, vas-y, on va. Hop. Ok. Ah, mais c'est bon, c'est fini. Ah là 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 là, je m'énerve. J'avais complètement oublié qu'ils étaient déjà là, eux. Ah putain. Ok, un en moins, deux en moins, c'est pas grave. Ensuite, le salaud. Ah merde, oui, ça c'est bien ça. Ok. Putain. Je sais que c'était à ton tour, mais j'étais pas prêt. Moi aussi, je peux gangbang des gens contre les murs. Alors lui, il a pas compris sa vie. Au revoir. Putain. Et le pauvre, il me fait honte. C'est toi que j'attendais.
Tu me laisseras jeune? Merci, t'es gentil. Ok, ensuite, c'est quoi? Lui, j'avais oublié. Et avec son Jean-Yves, là. Redescends, putain! Ah, ça, c'est l'entube, quoi, la RNG de mon cul! Vite, vite. On reste vers le milieu pour pas se faire... Ok. Pour pas se refaire gangbang comme tout à l'heure. Ok. Ah putain. Ok. Ok. J'ai pas passé. Yes! Je souffle. Et je souffle. Je me raccroche à la vie. Je fais du flan avec le bruit. On a droit à quoi là déjà? Le combat aérien. Oh oui, toi. Je m'en fous. Oh non! Oh là là. Ah, elle, c'est vraiment pas ma copine. Elle s'appelle pas Allison, hein. Putain. Non! Oh, enculé, mais... Non! Gangbang par des mouches, ah merde! Mais elle est toujours là! Toujours debout! Les araignées! Non! C'est pas les araignées! Je vais mourir. Les araignées! Non, rien. Si! Oh! 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 Les aujourd'hui aux oubliettes, ouais, désolé. C'est pas grave. C'est grave. On a droit à quoi là? C'est le bordel session 2, c'est ça? Oui. Merde. Ah! Toi, t'es toujours une surprise, ma vieille, hein. Il va me tuer. Il va me tuer. Non! Je peux pas passer. Non! Non! Mais putain, mais pourquoi je l'ai tué? Oh, vas-y, nique ta mère. J'en ai plein le cul, sans déconner. Allez, j'arrête là. J'arrête cette arène de merde. On s'en va. On s'en va, on va faire 2-3 portes que j'ai repérées. Et on s'en va. C'est plus à peine, j'y arrive pas. Je suis trop énervé. C'est j'enchaînais conneries sur conneries, ça servait strictement à rien de continuer. Il y a une porte qui me chagrine là-haut. Ah, c'est la porte des larves aux merdes.
Attends, je vais te laisser, je vais dodoter. Non, reviens, 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 je vais t'emmener chez les larves aux merdes. Parce que je viens de me souvenir quelle porte c'était. Et je dois passer au TP de toute façon. Quoi? Pourquoi je peux pas me TP? Alors ça, c'est nouveau, c'est rien de sortir. Chez votre marchand de journaux. Non! Reviens, il y a larve aux merdes! S'il te plaît! La lapine! La lapine et larve aux merdes! Oh là! Ah, je crois qu'elle est déjà partie, mince! Ah, elle est encore là! J'arrive! Il faut que j'aille à un métro, je sais pas pourquoi je pouvais pas me TP sur l'ascenseur. Est-ce que je peux là? Non, c'est pas ça. Ok, c'est bon. Je t'amène au larve aux merdes vite fait que tu entendes les fameux bruits. Le screamer, ouais. Vite, 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 vite. Je me dépêche, Dirtmouth. Oh oui, emmène-moi au doux pays des larves aux merdes. Bref. Franchement, tu vas entendre leur bonjour et tu vas voir comment ils nous remercient de retrouver les larves aux merdes. Hop, petite sauvegarde. Oui, bonsoir, messieurs, dames. Allez, on va aux larves aux merdes. Ça fait longtemps qu'on les a pas vues. Ça va nous mettre du baume au cœur. Ça pourra nous donner peut-être du courage quand... On a cruellement besoin pour tuer ces merdes. Bonsoir. Hop. Allez, tu es prête? Est-ce que tu es prête? Parce que les larves aux merdes. C'est maintenant. J'en ai 3. Oh. Peut-être 3 et demi. Allez, c'est parti, bonjour. Oh oh. Non! Il a pas fait le meilleur bruit. Ah, je suis deg. Ah, il a pas fait le meilleur bruit. Oh non. Oh, la déception. Non, il fait quelque chose du genre... Oui. Il est très heureux d'être là. Ah, merde. Bon, voilà, on t'a présenté larve aux merdes. Les fameux larve aux merdes. Bon, avant de se quitter, parce que je suis un peu énervé et que j'ai repéré la porte et que j'ai pas envie d'oublier, je suis ému. Devant tant de beauté de larves aux merdes. Alors, on va à la porte que j'ai repérée dans les abysses. La 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 la. Alors, on va d'abord foncer. Et on va descendre dans les abysses. Allez, bonne nuit. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Alors, la porte est par là-bas. Pas dans les pics, mais presque. Elle est là. Alors, examinons. Une pierre d'un bleu profond sur un dé. Ça implique qu'il nous faudrait... c'est une porte... Avec des cœurs bleus... Attends, me dis pas qu'il faut que je trouve... Que je me mette ça, par exemple, pour avoir des cœurs bleus et que ça... J'en ai aucune idée...
S'il faut, c'est une porte qui s'active grâce au cœur bleu. Bah techniquement, c'est une porte, donc la clé, c'est ce qu'il y a à côté. Enfin, je pense pas que ça soit assez tiré par les cheveux pour que ça soit autre chose. Je pense qu'il nous faut masqueur bleu. Pour ouvrir cette porte. Sauf que là, il n'y a pas de banc à l'horizon, quoi. Ah si, il y en a un là-haut. Bon, on va tenter. On va tenter de voir si c'est comme ça. Et au final, on n'aura pas retrouvé de badge aujourd'hui, à part au fin fond des abysses de je sais pas quoi. Alors qu'il nous faut des badges. Il faut trouver tous les badges. Trouver tout. Attraper les tous les badges. Ah, le banc est là-bas. Ok. Alors, on va enlever ça. Il nous en faut combien de places? 5? Ah merde, non, il nous en faut plus que ça. Bon, on va enlever l'ongle lame vite fait pour voir ce que ça nous donne. Ah oui, ça fait moult cœur bleu. Mais les cœurs bleus sont éphémères. Ne l'oublions pas. Donc en espérant... ça ouvre cette porte. Si c'est comme ça que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne pas comme ça, j'aurais fait ça pour rien, mais bon. On va dire que la réflexion était là, vous voyez, enfin... Comme dans Isaac. Ouais. Petite porte à cœur bleu. Alors... Oui. Ouais, c'est ça, en fait. C'est fallait avoir des cœurs bleus. Il en faut beaucoup, s'il faut, il va nous en manquer. Putain, c'était ça, quoi. Allez, on y va. On est curieux, quand même. Au pire, on changera de badge juste avant. Alors, c'est le monde bleu. J'espère un grand pouvoir, sans déconner. Un petit peu de plateforme, ça fait toujours du bien. Non, y'a rien là? C'est en bas? Merde. Ok. On continue notre petite descente. Ok. Ok. Oh putain. Ah. L'échec. Oui, les kaléidoscopes sont plutôt sympathiques, hein. Ok. Et là, il y a quoi? Ah, on peut monter. Ok. Et là, on va découvrir quoi? Oh. Qu'est-ce que c'est? Un badge. Noyau sans de vie. Oulala! Qu'est-ce qui se passe? Voilà, voilà! Eh bien, nous remercions la porte! Bon, on s'en va. Allez, on bouge. Oh non. Non, 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 qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais oh là là, mais... Mais cette panique, c'est insupportable. Hein. On retourne au banc, on sauvegarde et on se dit au revoir. Ouais. Ah, j'aimerais bien aller... Oh. Est-ce que je le fais maintenant? Stropole. Stropole des gens qui sont encore là. Est-ce que je vais au Mont Cristal, oui ou non? J'aimerais vos réponses. Parce qu'il y a peut-être un truc au Mont Cristal. Je suis toujours pas sûr. Donc la question est simple. Allons-nous au Mont Cristal, oui. Allons-nous au Mont Cristal, non.
J'attends vos réponses avec avidité. S'il vous plaît. Carte mise à jour. Non, t'as vraiment fait un Astropole. Alors, lisons quand même ce qu'on a eu. Octroie à son porteur au repos une fine couche de force de vie qui le protégera comme une grande contre une grande quantité des dégâts reçus. C'est-à-dire... Ah, ça me donne 4 cœurs bleus. En plus de ce que j'ai. Attendez. J'ai envie de voir un truc. Si j'enlève, imaginons ça. Est-ce que je me retrouve avec... Ouais, c'est que des cœurs générables plus 4 cœurs bleus, ça. On est d'accord, ça casse pas 3 pattes à un canard. Bon. Alors, longue lame. Et on retourne avec notre chère et tendre boussole. 50% de oui, 50% de Osef. D'accord. Bon, on va y aller. J'ai envie d'aller vite fait au... Ouais. Comme ça, au moins, bah... C'est con de penser comme ça, mais... La semaine prochaine, bah, je finis l'arène, si j'y arrive. Ou je la fais en off, je sais pas. Ouais, je la fais en off. Ok. Je fais l'arène en off. Comme ça, moi, la semaine prochaine, on entame, on va dire, la fin du jeu, parce que, bah, je vois pas grand-chose d'autre à faire. Il me faudrait de l'essence. L'essence, je sais pas où elle est. On va aller à Dirtmouth. Je vous donnerai quand même le compte rendu de l'arène. Ou je l'enregistrerai à côté. J'ai pas trop l'air. Alors allez, on rend mon cristal. Parce qu'il y a deux trous que j'ai toujours pas comblés. Ah, il y a celui en bas aussi. On en vient, on en vient, on en vient. On est con, mais d'une force. Ah, j'aimerais bien finir les zones noires, en fait, aujourd'hui. 5 votes, mais 3 spectateurs. Bah, c'est pas moi, hein. Des spectateurs invisibles. Ah, je savais pas ça. C'est cool. Bah, qui s'inscrivent, qui se manifestent, qui viennent discuter avec nous. Ou qu'on voit des guests, je sais pas. Le banc était où? Il était derrière, non? Non, il est au-dessus. Moi, je suis toujours d'aplomb pour discuter avec les gens après avoir ragé de façon très sèche sur une arène à la con. N'est-ce pas? C'est pas forcément le truc qui me rend des plus agréables, hein, je le concède. Alors ensuite, il faut qu'on monte. On va monter par là-bas. Mais je crois qu'on avait déjà essayé avec le double saut et qu'on n'y était pas arrivé. J'ai peur de dire une bêtise. Ou alors j'avais juste tenté avec mon sous-moisi. Je sais pas. Ah merde. C'est vrai que je peux tuer ça. Allez, c'est parti. C'est par où? C'est juste au-dessus, là. Je crois que j'aurais tenté. Ouais, je peux pas monter. Je sais plus. Je sais pas comment faire. Il y a un truc pour monter là, mais je ne sais pas comment monter. Et il y a un truc un peu plus loin, pareil. Où on est censé pouvoir monter, mais on ne le voit pas. Ce qui est un peu dérangeant, en soi. Hein. Genre là. On est censé pouvoir monter par là. C'est pas possible, je pense qu'il y a un truc, il y a une couille quelque part. Ah, il y a vraiment un truc, quoi. Il y a un truc qui me dit, regarde, tu peux aller en haut, mais comment? Je comprends pas. À moins que ce soit là.
sais pas. J'en ai aucune idée en fait. Il doit y avoir un passage secret quelque part et je ne le trouve pas. Un truc à activer, un machin. Pfff. Peut-être là. Un trou. Un secret, quelque chose. On va continuer, on va retourner à la couronne tout en haut et si on y a rien, ben je sais pas à quoi sert cet endroit. Cool, super. Sinon tu veux pas mourir? Ah oui, c'est vrai que lui quand il est... Y a un truc pour monter plus vite? Oui, on avait débloqué pas mal de choses. Mais non, mais n'importe quoi toi, faut vraiment que j'arrête de jouer à jour en fait. Je fais n'importe quoi. Là y'a rien, là y'a rien. Ok. Ce qu'il faut c'est viens un autre trou quelque part ou... Genre à travers un mur là, s'il faut y'a un mur cassable, je sais pas. Non, pas du tout, si je tombe dans les pics. Je sais pas. Je suis sûr qu'il y a une entrée, hein. C'est obligé. C'est ma carte ne peut pas rester comme ça. Putain. C'est pas que je refuse à l'admettre, c'est que ça se voit. Ça se voit, il y a deux trous dans le plafond. Et on n'arrive pas à y aller. Ça m'embête. Il y a forcément quelque chose. Mais là, on y était allé avec le double saut, c'est obligé. Enfin. Tu ne peux qu'y aller qu'avec le double saut ici. C'est ça que je comprends pas. C'est bizarre. Oh putain, il y a encore un sacré chemin en vrai. Je pensais pas que c'était si long. Pardon. Non, là je peux pas. Ah ouais, putain. Là c'est que du. C'est que du plateforme là. Ouais. Est-ce que là que j'ai tué le machin, je peux faire un dash et ça va casser un truc invisible? Non, même pas. Tant pis. Je suis sûr qu'il y a un truc. J'en suis certain. C'est l'instinct, c'est l'intuition féminine qui me dit ça, tu vois. J'en suis persuadé, quoi. Il y a un truc. C'est pas possible autrement. Genre à la couronne, il n'y avait pas qu'un minerai pâle. C'est obligé qu'il y ait quelque chose d'autre. Genre on peut passer par... On peut sauter, putain! Pourquoi on s'est arrêté? Oh mais quel bouffon! C'est une mauvaise blague. C'est une très très mauvaise blague. Je le prendrai mal. Bon, on va voir si la carte s'est mise à jour. Bah écoutez, je vais pas remonter. Hop, on se casse. Ah, c'est une blague. C'est vraiment une grosse blague. Hein. Ça m'énerve. Ah, ça m'utilise une arme en fait de me TP. Ah, j'avais jamais remarqué. Carte. La carte s'est pas mise à jour. La déception d'un homme. C'est-à-dire que peut-être de l'autre côté il y a autre chose aussi. Voilà. Donc on y retournera la prochaine fois. J'ai pas envie là. Là j'ai vraiment pas envie. Ensuite il faut que j'aille là. Et je sauvegarderai là-bas. Donc pour y aller on va prendre le métro. Non on va pas faire tout ça, c'est pas possible. On va à la station du roi. Ouh, 3 ans pour toucher une cloche. Voilà. Désolé. J'essaye de faire vite et j'arrête. J'essaie juste de passer à travers l'écran noir. Faut aussi que j'aille à celui des méduses, faut que je me le note.
Faut que je me note à passer celui des méduses, parce que s'il faut, il y a... Il y a, on va dire, deux lasers. Et entre les deux lasers, s'il faut, il y a... le... Je vais y arriver. Entre les deux lasers, il y a... un objet. Ça peut peut-être être une idole du roi, je sais pas, n'importe, quelque chose. Donc ici, on peut pas y aller, parce que de toute façon, c'est les larves aux merdes. Et là, ici... Et traverser le lac d'envers chemin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça fait pas mal de choses. Faut qu'on se le note. Donc, toujours pas ici. Hein. Les portes sont toujours fermées. On n'a toujours pas trouvé le mécanisme. C'est peut-être les larves aux merdes. Hein. Enfin, moi, je vois que ça. On va sur celui-là. On sauvegarde et j'arrête parce que je fatigue. Je fatigue, je fais n'importe quoi. Je m'énerve tout seul contre moi-même parce que je n'aime pas être nul. Voilà. Je n'aime pas respirer la défaite. La pression, tout ça. Bref. C'est pas grave. On va dire qu'on a quand même bien avancé, même si dans ma tête, je resterai sur l'échec des arènes. Parce que je suis comme ça, un mec très relou. Satané de mouche de con, là. C'est pas par là. Non, c'est pas par là du tout. Elle m'a suivi jusqu'au bout de l'enfer, elle. Non, c'est pas par là, c'est en dessous. Ok, c'est par là. Et hop, et maintenant... Oh, de l'essence! Un boss. Est-ce qu'il y a un banc derrière lui? Il n'y a pas de banc derrière lui, donc on va aller sauvegarder. On va aller sauvegarder, et on arrête là ou on le fait plus tard ou j'en sais rien. Sans déconner. Justement en mode je sais pas quoi. Parce que ça se rajoute à la liste des choses que j'aurai à faire. Bon, la prochaine fois. Je vais où là? Ok, le banc, il est là, pof. Carte mise à jour. Ouais, bon, on va le tenter. S'il tombe pas du premier coup, ce qui serait bizarre d'ailleurs s'il tombe du premier coup. Tu vas me dire, on est boosté à fond. Merde. Tu vas me dire, maintenant on est elo boosté. Hein. On a la pine, le machin là. Putain. Bon, je sais plus comment ça s'appelle. L'aiguillon, merci. On a l'aiguillon au maximum, je pense qu'on peut se le tenter. Et puis si ça passe pas, c'est pas grave, on le verra sur la carte. Et... Bon, par contre, il y a l'air d'avoir pas mal de plateformes, ça m'embête un petit peu. Ne dites rien, j'ai déjà entendu des milliers de belles paroles. Oh là là, il a pas l'air sympa. Fou, dégainez votre arme et mourrez comme ceux qui sont pas... Oui, je te défie. Allez. Il a un shield. Il a des épées. Alors il a l'air très nul, sans déconner. Ah, le shield fait mal. Le shield tourne plus vite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, le shield tournait autour de lui plus vite. Ok. Non, sans déconner, je pense le tomber. Bon, là ça va tourner, bon, on va le laisser faire, hein, tant pis. Ah, la distance est plutôt grosse. Paf. Ah, salope. C'est pas grave. Ah, de toute façon, il met tellement de temps à me toucher après que je peux régénérer grâce au miel. Ah, bah là non. Oh, allez. C'est bien parce que pendant cette phase, moi je suis tranquille, mais d'une force. Par contre. Ah, ça y est. Deuxième phase. Ouf, putain. Alors, autant pour lui que pour moi, ça devient compliqué. Aïe. Aïe. Il veut pas tourner? Si, c'est bon.
Et le retour. Paf. Là, ça commence à devenir un peu plus intéressant déjà. Paf! Paf la pastèque! Allez, au revoir! Merci d'être passé. Jamais je n'ai été vaincu en combat, vous n'êtes pas un véritable guerrier. Oh, pauvre chou, non, Markboot! Je peux me voir là-bas, toujours endormi. Depuis combien de temps suis-je resté caché ici? Ici, au bout du monde, personne n'aurait pu me trouver, sauf vous. Guerrier, chevalier, roi et le temps lui-même, tout cela n'a aucun pouvoir sur moi, seulement vous. Vous êtes l'obscurité, venu me ramener chez moi. Non. Donc là, on est une obscurité. Il dit plus rien. Ok, on TP, on va voir la vieille et on sauvegarde. Promis. C'est juste que là, au moins, on saura que... Après, chez la vieille, on aura arrêté là. Voilà, c'est tout. Et on arrête, parce que je n'en peux plus. J'ai trop joué, je me suis trop énervé. J'espère qu'elle va nous donner un truc de fou, parce que là, sans déconner... Oui, plus de 1500, oui, oui, 1800, c'est une blague. Et j'ai gagné quoi? Un quart de cœur. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça valait bien la peine de se faire chier. Y a pas d'autre mot. Bon, bon, on sauvegarde et on s'en va. Donc je vous dis à jeudi prochain pour les suites de Hollow Knight, hein. Apparemment on n'a toujours pas terminé. Désolé pour tous ces fails, mais bon, j'ai essayé d'avancer, de faire quelque chose. Ça fera encore une grosse VOD, mais il y aura du montage derrière, vous inquiétez pas. Voilà. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous poser des questions, venir papoter avec nous partout sur TS, sur les commentaires YouTube, sur Facebook, partout. Allez, le gros bisou et à la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde.